sortie de cette natation devant Romaric Rafa, le garçon du dernier. Et après, ça va défiler avec Lucas Anaïs, Tristan Dathéas, et le point de vin. Justin Martino, Rémi Flos, Lucas Galerbe. C'est de l'Angers. Allez, c'est sorti pour la clan Dius. Sorti donc de l'heure de transition. 7 minutes et 19 secondes pour le garçon de partenaire. Et vive la première féminine qui est dans le parc de vélo déjà. Première féminine qui va s'élancer avec pas mal d'avance sur ses adversaires. Je vais pouvoir donner le tossard dans quelques secondes. Et le point de fin, on avait tout à l'heure. On va fuir. Alors que Justin Martino nous a fait une transition éclair, il sort en deuxième position. Allez, il y a quand même une trentaine de secondes, 30 secondes d'avance pour la clan Obvious du club partenaire. Devant Justin Martino, Thomas Lequitte, Rémi Floz, Lucas Manzaïs. La deuxième féminine et la troisième. Voilà, donc nous avons le trio de tête là qui, dont la première est déjà partie, les couleurs de la SPT Angers pour la troisième féminine. Et derrière, ça suit également. Chez les féminines, la Oiseau de Poitvin qui est sorti en 6ème position au scratch de l'air de transition de la société de l'endurance en sortant de triathlon. La sortie d'air de transition est montée Tristan Damien, Martin Boucard, Pierre Foucault du KKM. Les hommes de compte. Allez, ça va enchaîner bien sûr cette fin de transition qui va s'animer avec l'ensemble des triathlètes. À leur tour, récupérer le matériel, l'objectif, le faire le plus rapidement possible. Ne rien oublier, le dossard bien sûr, le casque sur la tête, il est affirmé, on prend le vélo. Et c'est parti! Allez, c'est parti avec ce vent favorable dans ce premier aller-là, vent favorable sur le parcours vélo sur le fond de mer. Ensuite, bien sûr, au demi-tour, et bien, changement de décor avec, pour les plus costauds, un vent défavorable. Et là, il faudra finir son décor et être capable de résister dans ces conditions-là pour vous assurer que sur le vélo, ça souffle vraiment beaucoup, beaucoup. On rappelle, il fait distance. Il y a maintenant, on vous l'a dit, trois boucles de vélo. On va dépendre 6 km sur cette partie cycliste. Il y aura ensuite à nouveau 3 boucles pour s'appuyer pour un total de 1,8 km.
l'idée hein, de cette nouvelle tête pour se réanimer dans quelques minutes à l'issue des 6 km et des 3 boucles de vélo. Voilà que ça relance dur, évidemment, en demi-tour. Quand on reprend le vent dans le dos, on descend quelques dents et on relance fortement. On reprend de la vitesse alors que la tête de course, elle va démarrer sa dernière boucle. Dernière boucle, mesdames et messieurs. Course à pied pour un total de 1,8 km. On va l'applaudir au départ du bruit, mesdames et messieurs. La canne revient.
avec la sortie de Zoé Le Petvin. Yes, lady. Allez, ça sort également pour Lucas Azaïs, les couleurs de Saint-Jean de Montmont du triathlon. Allez, Lucas. La sortie également de la transition pour Lucas Galerne. Toujours la même allure, hein. Et très aérien, grand gabarit, très fin et solide sur les appuis. Un garçon qui vient de la Gold Coast australienne. Du Triathlon International de Saint-Jean-de-Montvec.
voyage.
Younger. Vous ne connaissez pas, allez sur YouTube, Patrick Younger, vous allez voir, c'est tout gros. Il est seul, il chante, il joue de la musique. Il gire en même temps, c'est l'orchestre moderne. Sur le podium, maintenant le départ du triathlon féminin. On aura avec les animateurs Péchu, Alex et Gladys du centre Fidéo de la Thalasso. Un petit échauffement ludique en musique. Bailleur du spectacle, il va y avoir de la bonne humeur, bailleur du mouvement, bailleur du son, bailleur du spectacle. Ah, il arrache le sol dans les derniers mètres. On a déjà arrivé, Dorian Aubert, le symbole de Rémi Vaillant, de Joanne Bernard.
Michel Musso, Manon Thomas. Merci aux athlètes que j'ai nommé de bien vouloir se rapprocher du carpodium. Voilà, au pied du... Au pied des scènes, on va venir, voilà, nous... Maintenant, on va maintenant commencer aux athlètes de bien vouloir dégager. Récupérer, pardon, matériel dans l'air de transition. Pour que les jeunes puissent récupérer leur matériel. Alors, on va demander à Fabien en régie s'il a fait la nouvelle, un petit jingle arrivé qui va bien pour accueillir celle qui va clôturer ces épreuves jeunes.